pense que mon père et auditeur Megayo qui a peut-être beaucoup de parole. Une tonne pour le téléphone pour nous garder et tendance pour nous sur ça. Est-ce que vous pour ça ou bien vous pas pour ça? Mon autre pour ça parce que mon avons besoin d'alphane. Mais non, pas mettre pas nos bouchons. Mon avons besoin d'alphane, mon avons besoin petit à l'école, frère. Je dis, il y a des gens qui gagnent de crimes qui fait. Toi, pour un crime qui fait, par exemple, il y a un crime qui fait tabac. Quand tu mets du vaisseau en maman avec trois visites. Est-ce que vous pensez que il y a des gens qui ont capable de crime ça? Oh, je ne parle dis, pas, non, je ne parle pas au niveau de la population. Mais tout comme ça, tant pas parle de négociation. Non, mais je parle de l'État. Attendez, PS. Je parle de l'État. L'État. Je ne dis pas qu'il y a qui est extrêmement grave qui a passé là. Mon victime, il a violé mon, il a tué mon frère. Il faut que l'État comprenne que face aux gangs armés, il n'y a pas avant rien. Il faut composer avec les gangs armés. Non, mais faut qu'il sorte. Faut qu'il sorte, Robinson. Ou dites parce que la police, l'armée, n'a pas qu'à faire face avec monsieur. Parce que monsieur Biamé, Bien sûr, tu le sais. Ok, monsieur Biamé, que la police, que l'armée. Mais maintenant. Mais que l'État. Maintenant, pour qui ça? Il y a une force multinationale qui est pas de 60 millions de 600 millions de dollars qui est caissé pour le pays. Alors, Kenya, pas besoin de pays. Oh là là. Écoutez. Si vous voulez finir avec ça, il faut que l'État comporte l'attaque de l'État. Il faut appeler les chefs du désordre et composer avec eux pour pacifier le pays. Point barre. Pas grand yon café là. Pas grand yon café là. Waouh. Pas grand yon café là même. Franchement, je ne suis pas pour les gangs. On va prendre 10 auditeurs. Pas grand fait 10 auditeurs. Parce que auditeurs, bon tout. Auditeurs. Robinson. Tant des frères. Yo victime. On va prendre 10 auditeurs de sordia. Mais moi, c'est autre bagarre. Faut nous mettre mon père. Mon père. Yo victime. Si c'est sauvage. Yo victime. Son qu'on va grandir là. Tant des frères. Qu'est-ce que je dis? Mais. Est-ce que monsieur ça? Ça l'a dit vous ça? Non, mais l'État. Et l'État salé. L'État salé. Quel est mon coup de ce camion là qui n'a pas vu? Monsieur, il y a des mouns. Quel est mon qui est d'accord avant? Mais qui n'est pas d'accord avant? Au besoin, elle va non pas de banane. Là, sous le frère. Au besoin, elle va non pas de banane. En toute sécurité. C'est l'État Kabaoul. Et pour l'État Kabaoul, pour venir à 11h minuit, il faut l'État dit, bandit, que le bac à combattre. Il est clair que l'État n'a pas à combattre bandit là. Alors, vous parlez que... La seule façon que l'État a combattu Mandiola, c'est de négocier avec eux. Pas grand, il a fait pas un force Kenya, bullshit. Excuse-moi. Alors. Même Caracol, qui va autour du Nord courant, qui va à Limonade courant, comment va-t-il bien dire ça? Courant arrive à Limonade, mon père. Il va arriver au Cap, non? C'est vous qui avez la parole. Comprendre, mon père. Blocus. Courant arrivé, limonade. Il n'est pas arrivé au cap. Il n'est pas arrivé au cap. Monsieur, qui s'y va tout le monde? Non, mais c'est intéressant. Bon, monsieur, bon, si courant arrivé, limonade, monsieur, à combien de distance de limonade avec au cap? Courant pas arrivé. Et Josian, il a commencé à faire rationnement dans l'usine Caracol. Parce que il ne peut pas avoir 24-24 encore. À cause de pas un côté pour gaz passer et il dit que il y a un problème bandit bloqué route pour gaz passer on va quand même rentrer dans le cas moi même mais ça me dit ici à l'époque de la parole nous critiquer nous font une critique objective et puis nous toujours constructif. Nous toujours dit que l'on a critiqué faut nous proposer je dis à moi de proposer. Et c'est, ça fait un peu de plaisir que je dis que le Premier ministre a peut-être penché sur la question ça. Pour la question gaz là, Robinson, avant de continuer, je vais vous dire que je vais vous arrêter. Bonsoir, Justin Pérez, bonsoir, Père Moïse, bonsoir au maître des lieux. Le maître des lieux, c'est Alex Saint-Surin, bien entendu. Et bonsoir évidemment au guerrier national. Hein? Le guerrier national et guerrier Henri,
Bonsoir à Hérode Augustin, bonsoir à Christopher et Christopher mon ami. Radio Méga. Évidemment. Et bonsoir à tout auditeur, auditrice et Méga. Méga, Radio Méga, bien entendu. Et bonsoir et à toutes les populations Pétionville, population Pétionville. Comment nous y est dans le pays ça? Comment nous y est dans le et comment magistrat gérer nous dans Pétionville? Comment magistrat gérer nous dans Pétionville? Comment magistrat gérer nous dans Pétionville? Et bien content évidemment que la population Pétionville là commence à éclairer, commence à salver bien sûr pour Pétionville. Parce que Pétionville est en danger, Pétionville est. Et on ne peut pas quitter ça. Et des GPS, on ne peut pas quitter le rembourse, on ne peut pas quitter. Pétionville risquait en explosion démographique. Il faut nous éviter ça parce qu'il y a d'autres communes qui ont privé. Parce que j'aime tout là. Commune Pétionville sont communes. Commune Pétionville sont communes hautes liées. Sont communes hautes, sont communes qui ont recevoir Moun, qui ont recevoir diverses communes. Oui, c'est vrai. Je dis, hein. Et n'a tout de sous ça tout à l'heure, bien évidemment avec Kessin Lomil. Kessin Lomil, c'est affaire pas nous, affaire pas nous. Okay. Kessin Lomil, on vous salue, on vous salue. Moi-même, samedi, je veux dire, moi pense que, et Robinson, nous gagnons des grandes villes. Nous gagnons des conseillers de monde dans le département, dans le département nord, pays, dans pile nègre au cap qui gagne comme. Et même si il va d'aller comme en Haïti, quand pile nèg au cap dans diaspora qui gagne bon zone en main yo qui capable d'investir certainement. Peut changer de connaître votre cap, je dis cap au cap presque 50 camions. Oui, mais au niveau de la diaspora, c'est gagne qui gagne comme au niveau de la diaspora, mais maintenant, on va vous poser des questions. Quel est donc le sentiment d'appartenance? Faut un sentiment d'appartenance. Est-ce que appartenir encore Haïti. À Cap Haïtien. Okay. Pas même non, pas non, Haïti. Non, n'est-ce pas au Cap. N'est-ce pas au Cap, c'est le bagage qui n'est pas gagné des mondes. Non, il n'est pas fait investissement, mais le problème qui gagne, c'est que... Non, qui s'est investi. Il y a deux mondes. Non, mais il doit investir dans un motel, en palais créole, Macrel. Pas une chambre, $150, $200. Non, au Cap gagne un hôtel très sérieux. Très, très sérieux. Il y a un hôtel. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Maintenant, ça me propose moi-même, en tant qu'individu. Si yon retire question gaz là, monopole là, dans mes portes ou presse, yon développement kap fait, ça va aider un paquet de villes, un paquet de départements, sorti tête yon. Qui ça me dit pas là? C'est évident. Gaz là, depuis le monte, c'est tout bas dans le pays qui monte mon père. Oui, gaz monte tout bas. Son produit transversal. Moi, je dis que, moi, je me propose, même si j'ai des privés, je me propose une fois tout, pression, on s'est dit, n'importe où, prince, fait que privé n'a pas arrivé à aboutir à la question, mettez au terminal gaz au Cap. Au Cap, il y a un propre terminal gaz, dit. Les Sud, il y a un propre terminal gaz, dit. Port de Paix, il y a un propre terminal gaz, dit. Parce que, yo, qui waf. Et maintenant, ça se prend le produit, si votre prince n'a pas un gaz, le Nord n'a pas besoin de bloquer. Si pas de pas de gaz, le sud pas besoin de bloquer, ni sud, ni pas besoin de grandance, pas besoin de bloquer. Alors nécessité de gaz, ça c'est par rapport au courant électrique, c'est ça? Mais ça, hein? Tout département, yo, a bien courant. Parce que c'est gaz qui va gagner. Bon, c'est ça, n'est-ce et Josie, oh oui, mais village de Dieu gagne courant, 24 sur 24. Moi-même, j'ai mon capitaine de BM, non? PM n'a pas de tout. Moi, je propose PM non? Pour que chaque département s'aille, il y ait propre terminal gaz. Yeah. Parce que ça qui vivait, lors de développement, de créer richesse, il faut commencer à faire un pas. Et je dis, si on regarde la croissance pays, ce sont des choses qui vraiment a plongé. Par quelle richesse qui a créé dans le pays? Parce que, regardez, on t'y machin. Qui prêtait dans la coopérative, mais qui prêtait la banque 100 000 gouttes, ou bien 200 000 gouttes, 500 000 gouttes pour son business. Dernier événement, je venais de Maurice, nous avons crasé toute la machine, et surtout nous avons quitté dans le mouvement pays, barricade avenue, c'est avec Toto et barricade, nous avons pris un bar et puis on fait barricade, nous avons crasé tout le monde. Je veux dire, tout le monde qui a des grands moyens, tout est à zéro. Nous avons gagné un cobra pour le couteau, c'est ça qui a gagné un cobra, il y a une assurance. Ah, sinon, ça peut dédommager. Mais, gonzé de Mundo, où vous me mettez grâce à ce flagrant?
Parce que nous avons payé assurance, c'est pas vous avez payé assurance. Parce que nous avons fait 5 ans, 6 ans, et puis vous avez payé. Oui, c'est évident. Vous avez découragé. Moi, je suis de la maquette. Et puis, on vient. Et bon, dans le règlement, moi, je ne suis pas payé assurance, mais ma maquette a brûlé. Maquette a brûlé? En France, mon Dieu. Moi, je ne suis pas payé assurance. Non, mais c'est-à-dire, je ne comprends pas. Oui, ça c'est mieux. Ma maquette a brûlé. Moi, je ne vais pas payer. Il fait toute vie la payer assurance. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Assurance, ça vaut le maquette. C'est pas assurance, ça, mon cher. Tu fais pas, mon cher. Tu fais pas. C'est pas mon tour, comme si que parfois on fait un bagage pour tout le temps, on sait bien. Et pour moi, on fout. On victime, on victime. Je dis à moi, c'est que, fuck l'État, mon grand, sous château du Valier, le bagage que vous avez fait pour le peuple, c'est que vous avez fait des magasins et communautaires. Le magasin de l'État. Le magasin de l'État. Mm-hmm. Et ville profession, c'est qu'on va aller mieux. Parce que vous faites ça pour du manger. La tête, on est à travailler la tête. Mm-hmm. Je dis, si c'est à ce moment-là, puis qu'il y a aussi, et puis l'État va rentrer dans la question du magasin. Et si l'État est dans la question du magasin, ça te permet l'État de contrôler ma chair. L'État n'a pas qu'à contrôler ma chair. C'est comme Jean Gaza. Même c'est pour la première fois. C'est ce jour venu, seulement de ma vie, moi, gaz monté. Gaz descend, je viens de descendre gaz. Ça va quoi, je me fais tout la tête. Et c'est le plus gros business qui existe dans le pays. Et le gaz a monté, les gars fait machine à Gaza, c'est 100, 200 millionnaires qui font dans Gaza. Et ça, il y a des gars acheter gaz à crédit dans mes états. Puis au pays, là pour un nombre d'états. Et puis après ça, les gars a fait combien? L'état même, pour ne pas toucher. Je viens de nous dénoncer ça plusieurs fois. Dénoncer ça plusieurs fois. Et ce genre mon nez, par exemple, le journal Moïse qui finit par dire ça, dénoncer qui côté que ne cache gaz au bagabé. Je ne me dis pas comme ça. Parce que les gars avaient affaire en famille. Les gens sont là en famille. Oui, les gens sont là en famille. Et les gars résoutent le problème. Mais je dis, ça, c'est une proposition que je fais. Si il y a des gens qui adhèrent à lui, il y a poussière, comme on disait l'autre jour, donc a fait des groupes de pression. Des groupes, oui. Okay? Oui. On est capable de faire des pétitions. Mm-hmm. Moi-même, je me demandais. Bon, on a balayé quoi, Benson? On sait des côtés, monsieur. L'État a créé un emploi. Là, par exemple, WAF for Liberté. Mm-hmm. Si l'État range WAF là, mettez WAF là, opérationnel, bateau à Vini, on en a de ça travail. C'est ma ancien ministre jeté pour en décision pour te dire que. Il n'y a pas qu'à avoir les armes, il n'y a pas qu'à mettre dans la machine. Il veut être interdit, machine entre ses mains. Oui, mais Gomba, on va comprendre. Gomba, on va comprendre peut-être, José Pérez. C'est que l'État, ce n'est pas nous. L'État, c'est eux qui brassent la République. Non, mais l'État, ce n'est pas nous. L'État, ce n'est plus nous, alors. Ça, il faut comprendre. Ni. L'État fait ceci, l'État a supposé faire cela. Radio mais l'État, ce n'est pas nous. Et nous-mêmes, nous avons des besoins. Nous avons des revendications et ces revendications-là, nous n'avons pas besoin de satisfait tant que l'État n'a pas besoin de nous. Et l'État n'a pas besoin de rejoindre nous parce que l'État n'est plus nous. Il faut comprendre ça. Qui ça qui fait n'est pas nous, je veux dire. L'État n'est plus nous parce que l'État brasse la République. L'État brasse la République. Tout simplement. Tout simplement. L'État brasse la République. Son parce qu'on gagne des individus. Son gros mais bien sûr. On gagne des individus. Non, mais je t'as sous ça. Dans la tête de l'État, on gagne des individus. On gagne des individus dans la tête de l'État. Qui a pris l'affaire? Tout simplement. Oui, ça c'est vrai. On gagne des individus dans la tête de l'État qui a pris l'affaire. L'État n'est plus nous. Parce que l'État, autrefois, était nous. Mais l'État n'est plus nous. Ou parce que vous. L'État, c'est des individus. Je n'ai jamais dit. Il y a des années depuis que l'État n'est pas nous encore. À peu près. Mais il y a de cela des années. Des années. Comme je dis des années, 20 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 depuis ans. Depuis 1996, on va dire sur Sous-Préval. L'État, Sous-Préval, bien sûr. Bon, ça me dit là. L'État a cessé d'être nous. Parce qu'à partir du moment où. Ça veut dire que tout dirigeant qui finit à faire parler à Gabriel, tout ça fait parler à Gabriel. A fait personnel. A fait personnel. Moi, je vais Jean-Bertrand Aristide. Moi, je n'aurais jamais cité le nom de Jean-Bertrand Aristide parce qu'il n'a jamais été un leader, il n'a jamais été un dirigeant pour moi. Non, il n'a jamais été un dirigeant pour moi. Il est un leader charismatique, qui était grand pilier, qui était très puissant. C'est un leader charismatique. Chaque leader charismatique.
Wilson. Sac leader charismatique. Atlanta Wilson. C'est ça le problème là. Imaginez aujourd'hui. Bonjour, technique que lié vaudou ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens frère. Alors ce que son regard technique mois. Son regard technique que lié moun ta supposé Wilkinson Lubin moun ta supposé passer concours pour l'entrée dans organisa CEPA. Autant dire, oh oui, secteur protestant par les non, mais est-ce que c'est ça que constitution a dit, Wenzo? Ah, pas qu'il faille, c'est pas une question de constitution. Mais non. C'est pas une question de constitution. Faut nous être légalistes. Non, non. Écoutez, nous avons un processus électoral et organe technique qui pourrait organiser l'élection, c'est CEPA. Nous avons dit, oh oui, vous représentez la presse. Ça représente la presse. Oui, mais constitution. Bon, une fois, Justin Pérez. Constitution, bah, hommage. Moi, je m'en fous absolument de Justin Pérez. Mais attends, Wilson. Constitution, bah, hommage qui choisit Mounio pour venir dans CPA. On est en situation d'exception, là, frère. On est en situation d'exception. On pensait que CPA, ça, c'est une situation d'exception, tout. Exception, toute baranette. Exception. Exception nette. Oh, ah bon? T'allais, on parle pas de représenter la presse. Mes amis, représenter la presse. Bon, on grand monde qui a représenté la presse. Mais on choisit déjà, hein? Je choisis déjà qui est c'est Jacques Desrosiers. Ah ben Jacques Desrosiers, il est méchant, hein, il est méchant. Pourquoi? Il est méchant. Comment Jacques Desrosiers c'est représentant la presse? Ça que vous êtes à la presse. Monsieur c'est AJH ou vous êtes présenté? Non. Bon, oui, c'est AJH, ou bien parler lui. Oui, c'est. Mais qui ça qui représente la presse ça, maintenant? Ah, mon frère. Qui ça qui représente un protestant? Bon. Moi-même. Qui ça qui représente un vaudou? Hein? Est-ce que la constitution n'est pas ça à dire? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Non, est-ce que pas ça à dire bonne chose? C'est notre tête. Est-ce que Baba a un critère? Baba a exigé pour nous. Ça n'a pas tombé tout le temps. Mais c'est un gros problème avec la constitution. Non, mais il y a un problème avec. Pas seulement avec la constitution, mais avec la démocratie. Voilà, même avec la démocratie. Qui va faire pour nous? Ah, là, on risque de jouer de moi. Moi, je dis ça. Donc, mon compagnon me dit, il doit nous dire pour faire une petite ville. Et moi, parce que je dis, excusez-moi, ça me va dire là, parce que quelqu'un qui n'a pas d'accord avec moi, parce que c'est pour quand la parole, c'est PIA, c'est le monde, c'est Captain Dem. Moi-même, je dis que, ça c'est moi qui dis, qui n'a pas rien à voir avec Radio Méga, rien à voir avec Radio Cap et l'émission ça. C'est juste ce qu'il dit. Moi, je dis que, bien d'ailleurs, ça me dit, parce que c'est peut-être la vérité. Moi, je me dis, Jocelyn Pérez dit, plutôt me dégainer dictature à 20 fois, je ne vais pas faire ça. Oh, Zamim, bon, moi, je ne vais pas faire apologie pour dictature, non? Je ne vais pas faire apologie pour dictature, non? Cependant, si tu as une dictature, tu vas faire ISO. Tu vas éviter l'homme, tu vas faire un barbecue. Mon cher, il n'y a aucun dictateur qui voulait personne en face. Clair. Je dis ça, c'est pas que je m'engage à Radio Méga, c'est mon opinion. Moi, j'engage cette institution qui s'appelle la Radio Méga. Moi, je m'engage. Pas aucun dictateur qui a toléré un ISO devant, un vite l'homme devant, et un barbecue devant. Jamais. Okay. Émission Aptan de là, c'est un programme indépendant. Ça cap dit là-dedans, c'est pas opinion, ni propriétaire, ni mon cap géré, ni personnel Radio Méga. Pour nous, parce que c'est pour qu'on a bougé, on a bougé avec Mounio, on a essayé d'analyser les gens, et les gens qui ont fait qu'on n'est pas d'accord. Je veux dire, où est-ce qu'on a dit, on dit que question, j'ai eu fait méthodologie que vous avez pour un monde pour CPA. C'est une bêtise. Ou même pas d'accord contre lui. C'est une bêtise. Mais, pas oublier, dans tous les pays du monde, ça qui fait payer au marché, c'est la constitution.
Par exemple, aux États-Unis, nous avons une constitution. Il va dire, non, on va gagner cette constitution. Nous avons des lois. Nous avons des lois. Nous avons des lois fédérales. Écoutez, qui est très fort aux États-Unis. Les protestants au vin là, ils disent, ça a un tel bac à vous. Ça veut dire. Non, c'est le monde que j'ai pu diviser. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ça fait mal, moi, c'est protestant qui a boumé. M'a répété que CEPA sont organes techniques liés. Pour monter entrer la donne, faut que c'est concours. Point bas. Point bas. Point bec. Ya, yeah, point bas. C'est concours pour le taille. A fait que représente la presse. Non, mais, c'est son bêtisier. Qu'est-ce qui a représenté la presse là? Ok. Qu'est-ce qui a représenté la presse? Qu'est-ce qui a représenté le secteur protestant? Et vaudouisant. Vaudou. Qu'est-ce qui a représenté le secteur vaudouin? Nous sommes un peuple divisé. C'est l'ancien avocat, oui, mais des Newton Saint-Jussu qui ont choisi. On peut choisir qui on veut, mais on oublie que Newton c'est adventiste. Bah, on dit, non, monsieur des caractéristiques, vous douillez. Non, monsieur, c'est adventiste. Ou sur ça? Monsieur, c'est adventiste. Yeah. Yeah. Adventiste du septième jour, bien de tous les jours. Adventiste de tous les jours, bien du septième jour. Ok. N'a pas signé? Mon cher, moi-même font expérience, aujourd'hui avant que m'entrer et dans studio Omega jeunes aujourd'hui. Hein. Mon cher, moi je viens dans et Carrefour et bon cimetière pour soit pour aller Delma ou bien pour aller Route Frère. Mon cher, qu'on blocus, pas aucune machine qui a passé, Même qu'à des peuples moins qui désorganisé. Désorganisé. Il y a des chauffeurs ici, des chauffeurs là, ils ne peuvent pas l'autre passé. On peut consacrer tout cas là avec le frère. Et là, je réfléchis, parce que là, une IFM font une interview avec Clarence Renoir. Son belle interview. Même quand dit Clarence Renoir, je vous salue parce que c'est mon ami, bien sûr. Clarence Renoir a plaigné parce que cette question de état d'urgence sécuritaire n'a pas de résultat. Je suis tellement saisi les Clarence Renoir dit ça que état d'urgence sécuritaire n'a pas de résultat. Mais comment état d'urgence sécuritaire n'a pas de résultat, frère? Walkinson Lubert, tu t'imagines que C'est un pays gangstérisé, complètement gangstérisé. Il y a des gangs, je ne veux dire, hein, qui sont installés dans le pays, ça, et qui ont état d'urgence sécuritaire, et qui ont fait des bagailles. Je pense qu'il faut donner, et là, je voudrais dire à mon ami, à Clarence Renoir, il faut donner du temps au temps. État d'urgence sécuritaire, là, pour qu'on prête pour bailler résultat, parce qu'on ne peut pas faire. La seule chose qu'on pourrait faire, bien sûr, c'est démanteler gangyo. Mais comment on peut le faire démanteler gangyo, je ne veux dire? C'est des gangs qui disposaient de tout leur arsenal. Mes amis, n'est-ce qu'ils ont tellement gagné d'âmes dans mes yeux, est-ce que mon cas a démantelé? La même clé sur ça. Cette histoire de démanteler les gangs, on ne peut pas le faire. Mais il y a une chose que je voudrais signaler, et là, je voudrais le signaler à mon ami Justin Pérez. C'est que par rapport aux gangs, il y a de nouveaux riches qui sont créés. Je l'ai déjà dit, hein, aux jeunes ISO qui sont riches, ils n'étaient pas riches. Mais les riches, à partir, bien sûr, de gangstérisation, pays. Aujourd'hui, on vit l'homme qui est riche, aujourd'hui, on barbecue qui est riche. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, on a une criminalité organisée qui crée de nouveaux riches. Je s'intéresse à partir du moment où vous avez de nouveaux riches, vous avez des riches, et ces riches-là, ils ont en prison sous pouvoir. Ils ont en prison, non seulement sous pouvoir, mais sous décision de l'État. Personne moon minimiser et ISO et barbecue éviter l'homme et l'autre tout auront criminalité organisée je ne veux dire qui crée de nouveaux risques
ils ont fait cobli. Vite l'homme fait cobli. Le message fait cobli. Ce sont de nouveaux riches, mais à partir de la criminalité organisée. Et ces criminels organisés, bien sûr, ils ont en prison sous décision de l'État. Ça fait qu'on est. Je vais déclarer un souvenir qui a plaigné que l'état d'urgence sécurité n'a pas de résultat. Quand l'état d'urgence sécurité n'a pas de résultat, frère. Alors, pendant qu'on parle de Clarence Noir, nous entendons extrait. Justement, et si nous avons eu l'occasion de dire tout à l'heure que son pays, côté citoyen, tout le monde a vécu avec frustration parce que autant aimé que Haïti marche mieux, marche bien tant que tout pays. Et il est clair qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. C'est-à-dire que le pays n'a pas marché sur le plan économique, il a régressé sur le plan économique, sur le plan social, environnemental, il y a des problèmes. Et donc, il y a une société qui n'a un déclin constant. Nous avons un déclin constant par rapport à sa Haïti il y a 40 ans. Il faut nous constater et avoir conscience, reconnaître que nous avons un déclin constant. Et si nous étudions les causes qui mettait dans la situation que nous sommes là, il faut nous capables de chercher solution à lui-même ensemble. Donc, je dis à gagner une grosse frustration qui traversait toute couche dans la société, quel que soit un compartiment social où nous sommes capables de vivre, devant catastrophe haïtienne. Non, parce qu'il faut que nous soyons conscients de ça. Et moi-même, je parle avec la particulièrement en tant que dirigeant de parti politique. C'est un exercice qu'on a essayé de faire tout le temps pour nous voir comment. Pour nous sortir côté nous hier et quel type de travail pour nous faire, notre société en général, et qui pour traverser par une prise de conscience, par un éveil national, pour que nous puissions sortir dans sa nous hier. C'est important, et au même qui dirige la politique, c'est qu'on soit ouais et situation, mais l'autre question que nous avons abordée avant, M. Canadien-Noir, nous gagnons un conseil de transition, un conseil présidentiel qui a dirigé le pays et qui a un premier ministre en tête. Première action que vous posez pendant les 100 jours, et qu'est-ce que vous faites de ça tout? Parler de action posée, pas de grande action qui posée. Ni par le gouvernement, ni le conseil présidentiel. C'est un tâtonnement capable de dire. Évidemment aussi, il y a une tentative de mise en place de certaines institutions de la transition, tant bien que mal, qui a essayé de faire, et il n'y a pas arrivé à faire, par exemple, conseil électoral provisoire, selon ça, à quoi, 3 avril, là, il mettait en place CPT à T10, c'est dans 60 jours, et puis il mettait le conseil là sur place. Ouais, jusqu'à présent, et le conseil là, par contre, n'a pas mal sur place, parce que tout simplement, il y a des difficultés d'ordre national, au niveau de chaque groupe dans la société, il y a une division, il y a une chirépite. Et ça, c'est déjà un problème majeur. Sauté le mois d'avril, mai, juin, juillet, non, en août, c'est 120 jours que nous allons arriver là. Et quand le conseil présidentiel n'a pas commetté sous pied au CAD, organe de contrôle de l'action gouvernementale. Et m'a parlé de l'institution qui te prévoit notre cadre par contre 3 avril là, d'ailleurs, qui va même publier, respecter. Mais tout, attente population, sous résoudre problème de sécurité, à qui mettait un pile monde de yon, regardez ça qui a passé, qui a fait, mon yon est obligé à prendre la rue pour m'aider pour yon capturer la caillou. Bon, grande satisfaction à ce niveau-là. Tout le monde était pensé que, un pile monde était pensé en tout cas, que sécurité après le rétablir dans le pays, avec les promesses de l'international pour voir en place une mission multinationale de soutien à la sécurité. Nous, 120 jours après, entrer en fonction CPT, c'est comme ça que fait. Donc, il y a une grande insatisfaction et aussi certaines déceptions par rapport à la situation. L'entendez que le conseil là, dirigeant eux-mêmes, ils ont amené dans des cas de corruption et qui, jusqu'à présent, pour capable de implémenter, pour qu'on ait qui s'active, qui s'active la dernière. Donc, 100 jours après, nous plus que 100 jours, presque 120 jours, il y a une grande satisfaction et beaucoup de déception. Ok, alors là, nous parlons un petit peu de questions et élections, parce qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs dossiers que le conseil là, ou bien le gouvernement est pour moyen, question élections, question réforme, constitution, et puis tout ça, c'est un peu de bagaille pour que le conseil là lui-même l'y fait, mais je ne vous dis rien, et
question corruption, il y a un conseiller, non monsieur cité, si nous t'as fait confiance à ça que le président du conseil d'administration a dit, que lui je agile, et c'est monsieur qui gagne dernier thème pour organiser l'élection. Est-ce que vous pensez confiance a établi pour faire conseiller ça s'il peut organiser l'élection, monsieur Renoir? Moi, je pense que ce sont des questions fondamentales, qui sont de confiance. Et déjà, il y a un problème de confiance de population à l'égard de dirigeants. Lorsque il y a des scandales comme ça qui ont éclaté et qui ont montré éventuellement l'implication des membres du conseil présidentiel, là, vous pensez, vous comprenez que ça fait encore très mal. Et par rapport à, on est capable de dire, contrat de confiance qui doit gagner entre population et dirigeants. Maintenant, on touche à une question fondamentale à transition, hein, et qui est liée à deux autres, on est capable de dire, pièges. C'est une carrière de comme ça que transition après la dernière. C'est piège de la sécurité. De la dépendance qu'il n'y a rien qui fait pour résoudre la sécurité. Jusqu'à présent, Gamnaïo tout aussi est arrogant et présent, et parfois à nargue force régulière, yo, malgré présence des policiers kenyans qui l'a. Ça, son premier problème, son piège, c'est son insécurité. Ah, d'ailleurs, qui portait le premier ministre, là, dans une déclaration, dit que bon, si ça continue comme ça, capable de gagner difficulté pour atteindre l'objectif de transition, hein, qui fait, c'est organiser l'élection et remettre pouvoir 7 février 2026. Maintenant, piège, insécurité, hein, lié intimement à question élection. Hein. Comment organiser élection dans un contexte d'insécurité, d'occupation des espaces, et certains espaces vitaux pays à part des groupes armés qui contrôlent les avec Zamnamio et qui éventuellement, et, ou très probablement, capable de gagner de grosses influences sur question élection. Vous entendez donc extrait de l'interview qu'on a avec Alain Zenoir jeudi, hein, et monsieur lui-même qui font sortir et qui parlait de plusieurs. Et, monsieur, moi, c'est que Alain Zenoir font une belle sortie, et moi-même, personnellement, j'aurais aimé sortir, monsieur, là, mais sauf que moi-même, je n'ai pas voulu inquiétude que Alain Zenoir a gagné, hein, par rapport à l'état d'urgence et que le gouvernement a décrété, hein, état d'urgence sécuritaire, hein, parce que je ne dis pas, j'aime dire, nous avons des gangs armés, et des gangs armés très puissants, et moi-même, je ne vais pas sous-estimer les gangs armés. Yo. Et là, il faut nous comprendre bien que cette criminalité organisée, parce que nous avons des criminels, et là, moi, je t'aimerais que tout auditeur, auditrice, et pour prendre la parole, comprenne ça. Nous avons des criminels organisés, parce que nous sommes dans le cadre d'une criminalité organisée, donc nous avons des criminels organisés. C'est des criminels organisés qui a kidnappé les gens, qui a tué les gens, et qui a pris un rançon, et comme il prend, et là, auditeur de Méga, de la radio Méga, il faut me comprendre bien, comme il prend, il est passé dans des entreprises extrêmement légales. C'est des entreprises légales, et pour montrer respectabilité, pour montrer respectabilité, ils ont investi comme ça, parce que leur monde a demandé 50 000 dollars américains, ils ont demandé 60 000 dollars américains, ils ont demandé 100 000 dollars américains pour libérer un otage. Et attention, ce n'est pas Brial Brave, pas fumer, à fumer avec eux. Il y a l'investi dans l'immobilier. Il y a lâché car avec eux, puis au louer. Radio Omega. Il y a lâché machine, puis au louer. Là, ça faut nous comprendre. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une criminalité organisée. Il n'y a pas cette question que nous parlons des armées, les gangs armés. Pas ça même. Donc, il faut comprendre que nous sommes face à une criminalité organisée aujourd'hui. Que ISO, que Vite l'Homme, que, comment il s'appelle encore, Barbecue, ce sont des criminels organisés. Ce n'est pas des criminels like this, like that, c'est des criminels organisés qui ont réglé l'affaire, qui ont fait des crimes, je ne veux dire, et crimes ça a converti en ressources financières, et ressources financières ça a réinvesti, attendez bien, ils ont réinvesti dans des entreprises légales. Par exemple, louer caille, acheter caille, vendre caille, etc. Et même, ils ont investi tout dans blanchiment d'argent. Et ils ont investi tout dans des... Bon, on dit investi, mais non, ils ont investi, mais ils ont impliqué tout dans des détournements de fonds publics. Par exemple,
moun sa ou ki a fait des crimes, qui a fait des séries de bagay qui sale, c'est des séries de moun qui infiltrer institution publique là pour détourner fonds destinés à des projets publics ou humanitaires. Ça c'est clair, faut le comprendre ça. On le comprendre ça parce que les moun gen kòb yo comme ça parce que c'est des kòb sales, c'est des kòb Radio Omega. C'est des kòb qui pas vraiment propre. Vous cantez la parole. Songez à Jean-Paul Sartre qui dit j'ai les mains sales, mais qui n'a aucun rapport, bien sûr. Celui n'a aucun rapport, bien sûr, à ces gangs armés que nous avons ici en Haïti. C'est des mouns qui ont fait des cops sales, mais qui investissent dans des entreprises légales. Parce que les kidnappés, ils ont demandé 50 000 dollars américains. Rassurez-vous que 50 000 dollars américains, ça, ils vont investir dans des entreprises légales. C'est ça que les criminalités organisées, hein, chers auditeurs. C'est ça que les criminalités organisées. Et ça fait, moi-même, moi pense très sincèrement, la question de l'état d'urgence sécuritaire. Bon, c'est une chose qui peut valoir quelque chose, mais pas maintenant. Ouais, on fait état d'urgence sécuritaire, là, me répéter, état d'urgence sécuritaire, là. Si nous pensons à l'état d'urgence sécurité, là, qui a un impact, li. Maintenant, nous bananes, même ça, Jovenel Moïse. État d'urgence sécurité, là, pas foutu un impact, là, qu'on n'y a jamais. Pour une raison bien simple. Au état d'urgence sécurité, qui ça a été fait? On a des opérations brutales contre les gangs armés pour démanteler les gangs armés. Pas bien ça. Ça c'est clair. Premièrement, une police qui est vraiment faible. Son police qui est extrêmement faible. Pas aucun moyen pour gagner une opération de démantèlement des gangs. Pas aucun moyen ça. Mm-hmm. Et deuxièmement, le fait que ces gangs armés disposent de beaucoup d'argent, ils sont capables d'infiltrer les institutions publiques corrompues. Parce que moi, je me dis qu'on va être très simple. Je me dis, chers auditeurs, à partir du moment où dans la criminalité organisée, vous êtes carrément dans la corruption. Clair. Parce que moun ka fè kòb lan, et ISO, et Vitelop, et Barbecue, les gens qui ont infiltré n'importe qui moun, n'importe qui institution, et puis ils ont acheté. Parce que c'est la criminalité organisée. Ce sont des criminels organisés. Et là, Justin Pérez, je me dis qu'on va être clair. Et là, moi dis sous méga, sous Bocanté la parole, qui est extrêmement important. Il ne faut pas sous-estimer ISO, il ne faut pas sous-estimer Vitelob. Absolument. C'est vrai qu'il y a un chef. Mais, de temps en temps, ils vont se rendre autonomes. Ils seront autonomes. Mm-hmm. Ils ont pas l'autonome. Vite l'homme pas l'autonome. Parce que pas oublier que depuis 1996, la grande criminalité organisée prend pied dans le pays, ça, pays d'Haïti. C'est-à-dire. Qui va dans la dimension ça, toi? Non, qui va dans la dimension ça, même bien sûr qui va dans la dimension ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, là, on est avec Vite l'homme, on gagne ISO. Ou bien barbecue. Et barbecue, ah, son gros morceau. Qu'on est mauvais, c'est barbecue, son gros morceau. Jeff Goulot. Son gros morceau. Yeah. Next, ça y est. Il n'y a pas de dépendre de aucun autre monde encore. Parce que, ou bien, ils ont. La criminalité organisée, ou bien Haïti comme espace de transit. Transit. Ou bien trafic d'organes, on a passé. Passer là, faire trafic d'organes, passer drogue, etc. Ou bien également Haïti comme espace d'accueil, parce qu'il y a des gens qui ont fait trafic d'organes, qui ont vendu drogue, qui viennent à Haïti, parce que Haïti, c'est l'espace où on peut faire ça. Et parce que c'est un champ libre. Un champ libre. Pas de monde qui a contrôlé. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que Haïti,
est aussi, aujourd'hui, excusez-moi le mot PS, c'est aussi un espace d'origine. Tellement de tintin qu'a fait là dans le pays d'Haïti, il y a de moun là, il y a de réseaux de trafic de drogue, d'organes et de criminalité qui prennent naissance là en Haïti. Absolument. Qui prennent naissance là en Haïti. Quand on va dire ça avec un simple communiqué ou décrété état d'urgence sécuritaire, je saisis le cas où on a dit que ça bon état d'urgence sécuritaire pas Haïti là. Non, comment on va dire ça là? Ça n'a pas l'utile là, frère. En tout cas, et Robinson, et nous avons un citoyen que nous avons fait interview avec, c'est Jean-Michel Lapin. Oui, et, il est là. Oui, nous allons regarder ensemble avec lui, qui ça, M. Lapin, dit, c'est un monde qui servit l'État, et c'est un monde qui gagne expérience dans l'État, même si il y a des gens qui gagnent des difficultés. Alors, question de poser, M. Lapin, de dire que face à la situation haïtienne, si c'est dicté là, je vous dis comment l'État va aborder. Jean-Michel Lapin. Bon, je m'habitue à dire, et situation pays a déjà dicté, tout premier ministre, tout le monde qui a ensemble de responsabilités, je dis, dans le pays a, et qui type d'action qui doit porter pour mener le pays a. Donc, tout le monde constate, et dans la mouvance sociale là, et qu'il a affaires sociales, qu'il a affaires politiques, qu'il a affaires économiques, et sécurité son bagage qui détermine. Donc je dis à nous attendons avec format de gouvernance qu'on a là aujourd'hui, hein, et bicéphale, donc exécutif et primature ou exécutif à deux têtes, et nous dépasser effectivement que déjà t'as gagné un plan d'action avec des objectifs bien définis pour être capable de tirer le pays d'abord d'un problème de sécurité ça qu'a traversé. Donc, si je gagne responsabilité, moi qui a fait de sécurité à une priorité. Une priorité à 100%. Une priorité qui t'a mené moins d'abord et faire s'améliorer. Réorganisation administrative de la police, donc pour remobiliser la police. Donc, on priorité tout avec comme élément déterminant les structures de sécurité, qui j'en y qui j'en y a vivre, remobiliser la police, remobiliser l'armée et mettre en situation, en condition pour le travail. Et c'est eux qui ont une responsabilité hein, pour présenter au plus haut niveau de l'État un plan d'action. Un plan d'action qui a besoin de moyens, c'est responsabilité du gouvernement pour mettre des moyens à la disposition et qui doit déboucher sur la solution que nous tous apprenons. Je connais que vous êtes proche président Jovenel, en pire. Et question tournée avec l'armée. Je ne dis pas tout pour nous, et dans le dernier moment, yo, si ce n'est pas l'armée qui est rappelée dans la zone aéroport, la situation est garantie en catastrophe pour nous. Est-ce que depuis auparavant, Jovenel Moïse Monté, est-ce que c'est une idée qu'il était toujours abordé avant pour qu'il nous donne à la meilleure? Et moi, ceci, il était prendre le plus bonheur, il était plus pour nous dans la meilleure, ou du moins, bon, on était gagné un petit genre, gagné restriction sur la meilleure, et nous pas qu'à tourner avec nous, que j'aime, malgré ça, Jovenel Moïse osait de tourner avec. Est-ce que c'est pareil qu'on a abordé avant, dans le système, dans le problème pays, il faut la meilleure retourner? Depuis, comme directeur général, moi, j'étais témoin que gagnait une guerre froide entre la police et l'équipe de la présidence. Donc, nous, on va pouvoir rentrer dans les détails, mais, et question la mer, tu commences à parler. Mais, nous, bon, erreur qui nous diffère, et c'est ça que nous avons payé aujourd'hui. Et oui, ça a fait, depuis là, on a monté la police là. Et on monte la police qui n'a pas une vision d'avenir, j'ai m'habitué à dire là. On la police, qui était seulement attribution de sécurité publique, pendant ce temps, depuis l'époque là, nous avons besoin de structures de sécurité qui ont attribution de défense nationale. Défense nationale, ce n'est pas pour Alain Lila surtout, mais nous avons besoin de défense nationale à travers une structure de sécurité pour nous capables de sécuriser pour nous,
pour sécuriser l'aéroport, pour sécuriser les frontières. Et c'est les bagages qui ne sont pas sécurisés. Dans l'heure où tu dois sécuriser, dans le moment où tu dois sécuriser, qui permettent que tu tournes un passoir pour gagner toute quantité d'armes, munitions qui entrent dans le pays. Donc, c'est un débat que nous avons fait pour nous garder qui gens nous ont introduit en dans la structure de sécurité. Hein, ça nous aide la défense nationale. Donc, pour parler de défense nationale, pour parler de l'armée. Alors, merci Wackinson. Alors, sur le texte que nous avons fait avec Jean-Michel Lapin, que nous avons abordé les problèmes pays avec M. Lapin, et vous avez réponse que M. Lapin débaille, et M. dit que Jovenel Moïse était toujours à aborder la question ça, pour être freiné la question ça. Non, malgré ce Jovenel Moïse, je dis que c'est Jovenel Moïse qui monte Jean by bandit plus légitimité. Oui, mais ça m'a marqué dans ça, Jean-Michel Lapendien, ancien premier ministre, c'est que il dit il a créé la police nationale là, mais est-ce que la police nationale a qu'à gagner comme mission défendre paysan de façon nationale, bah, c'est-à-dire défense nationale, qu'elle dit. Mais là, créons police, et police a créé, c'est un police civil. Si ça me songeait, c'est un police civil qui était créé. Hein. Est-ce qu'il était qu'à faire, est-ce qu'il était qu'à vraiment défendre la nation dans ce sens-là? Et c'est après, bien sûr, ils ont créé des unités spécialisées, parce qu'avant, il n'y avait pas des unités spécialisées. C'est jusqu'après qu'il y avait eu des unités spécialisées. Et là, je pensais que c'était une sorte de crétinisme, pas de crétinisme, mais peut-être de négligence, peut-être de manque de compréhension et de la part de ceux qui avaient agi avant, hein, en éliminant bien sûr et les forces armées d'Haïti, mais en créant la police nationale d'Haïti. Je pensais très sincèrement, et nous sommes en train de payer les conséquences de ceux qui avaient agi avant. Les conséquences de ceux qui avaient agi avant, dans la mesure où cette police-là n'avait pas vraiment sa place dans le contexte de ce qu'on vivait avant. Dans le contexte de ce qu'on vivait avant. Parce que moi, je suis clair sur ça. Vous imaginez un pays gangstérisé avec une police civile. Moi, je prends toujours cette police comme une police civile. Pourquoi? Non, parce que c'est une police civile. Avec des unités spécialisées. Et ces unités spécialisées n'ont jamais pu porter ses fruits. Jamais. Ça veut dire que vous avez raison à Jean-Michel Lapin qui dit que le problème qui est là, c'est le problème de l'armée. Problème de l'armée, clair. Parce que les gangs armés disposent d'un arsenal, et d'un arsenal très lourd, un arsenal de guerre très lourd. Clair. Clair. Il n'y a aucun gang armé là qui va faire guerre. Ok, nous allons parler avec le colonel Himmler-Rébu. Himmler-Rébu. Il parle à M. Tout. Monsieur, a bonne impression, demandez monsieur. Qui ça a fait là, je vous dis, pour que la population a évacué à l'occupation du Bélibé à Cotové. Et la première question, ma première question, ma petite répondre, pour me saluer d'abord. D'accord, on allait avec M. Rébu, rapidement. Colonel Rébu. Pour un constat, ma fait une situation très difficile. Beaucoup plus difficile que le terrier il y a 3 ans. Depuis que CPT a monté là, avec Dr. Kony, M. Bandi est passé en vitesse supérieure. C'était très compréhensible parce que il y a une menace qui fait en partie. Je dis qu'en plus, la police nationale là, l'armée d'Haïti qui là, il y a mené une force internationale vient devant eux. Cela veut dire que vous mettez une menace directe. Vous même qui ça le fait, comme ça t'a parlé depuis longtemps, vous prenez un bon temps de préparation, vous faites une préparation stratégique, vous reconsolidez l'unité,
yo estime que yo tout a bien un ennemi commun. Donc yo mette tête ensemble. Yo rentre en dedans en conceptualisation stratégique de système défensif. Ensuite, yo fait une très grosse campagne de communication des fois direct, ça veut dire que y a un cadre qui paraît qui parle, qui va positionner sur question qui là, qui fait des propositions. Ensuite, nous faisons des menaces indirectes. Nous montrons comment nous organisons ce structure sociale-là. Nous entreprenons des initiatives avec la population. Nous voyons un message par le gouvernement. Et en même temps, tout, nous faisons une campagne pour nous montrer aux organisations. Nous montrons la quantité d'argent que nous avons. Et nous comprenons des fois les remontes en pile là, les remontes, c'est pas montrer nous, les remontes. C'est pas avec nous, il y a parlé. Il y a parlé avec la population qui entoure. Il y a pas de quantité d'argent au bon. Moi, les remontes, ils sont capables de porter au secours. Ils sont capables d'utiliser. Ils sont capables de transformer en des agents en leur faveur. Là, par exemple, dans le nom de M. Chef Bandio qui dit où? Période qui est là, nous mettons sécurité totalement dans la route pour nous sauver ou bien dans la route, bonne cabrit parce que nous faisons ce piège là pour nous adorer. Ce n'est pas ça que je dis. C'est dire que nous avons une libre circulation dans la zone. Non? Donc, toute qualité machine civile capable de déplacer pour ça permettre de convoyer plus facilement munitions avec des armes et à faire venir de la frontière pour rentrer dans Basio. Yo exprimé, yo gen on ta rele une stratégie globale qui une stratégie militaire. Yo fait communication de guerre. Yo dialogue regarder bien qui moun ki mande gouvernement la paix et qui commence poser des actes rele des actes de paix de population qui débarre quatre mur avec l'autre yo craser mur yo. Yo do kounya ta soumission ya faire entre yo. Même. Donc, il y a un message qui doit étudier pour tout communiquer avec la population. Et pour qui ça veut ça? C'est parce que vous connaissez plus de mots d'anglais que le cap gagne vraiment. Et l'utilisation du gouvernement qui a fait de la population en contre nous. Ok, alors là, Wilson, pour qui ça nous va tous extraire ça, c'est en façon pour mettre nous dans le bain, ça n'a pas de débat. Je dis à l'information que nous avons gardé sur la question de la civilisation, sur la question de qui a pas de problème dans le pays. Mais qui j'en fait le conseil présidentiel, le premier ministre, je dis que selon ce que je fais confiance au niveau de primature, M. Garigoni dit pas venir nous là. Garigoni a produit. Monsieur dit que. Je vous dis, il faut qu'il y ait des efforts qui fait. Non, mais on ne dirige pas un pays à coup d'État d'urgence sécuritaire. On ne dirige pas un pays comme ça. Ce n'est pas à décréter l'État d'urgence sécuritaire ou à diriger un pays. Parce que, j'aime vous dire tout à l'heure, peut-être qu'on ne peut pas attendre. Il y a des gangs armés. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que. Ils ont disposé d'un système de renseignement reporté, j'en m'en dis. Vite l'homme, même bagala. L'homme, on s'ajoute, même bagala. Et l'État, pas même bagala. Non, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est un système de renseignement qui est très fort? Est-ce que l'État a un agent qui est très fort? Non, mais l'État a un agent. Non, est-ce qu'on est individu qui a un discours de l'État? Ça n'existe pas. Mais l'État ne vaut rien. Parce qu'à partir du moment où tu laisses pulluler tous ces gangs armés, tu deviens faible. Parce que, bon, disons, bagaille, je sais pas. Lorsque les gangs armés prennent autant d'ampleur, ça affaiblit l'État. Point barre. Plus gangs armés ont gain l'argent, c'est plus ça affaiblit l'État. Parce qu'il va infiltrer l'État. Ça va infiltrer l'État. Prends moun dans l'État, dis moun dans l'État, mais qui ça vous fait moins, mais qui ça vous pas fait moins. Et prends moun dans l'État, fais ça ou voulez que vous faites pour vous.
Je veux dire, pas grand yon qu'a fait avec cet état, avec l'état. L'état est un mauvais état. L'état est un mauvais état avec ses gangs armés. Parce que yon puissant, songez moi-même, songez samedi là. Songez moi pour faire là. C'est BS, songez samedi là. Avec ses gangs armés, pas grand yon qu'a fait là. Moi-même, Mamdou Magala, la micro Radio Béga. Comme tu dis toujours, ça n'engage pas Radio Méga. Radio Méga. Moi, je parle. Ça engage Robinson d'Haïti. Non, ça pas engage Robinson d'Haïti. Ça engage la République. Si ça engage la République, ça engage aussi Radio Média. Méga. Mais non, non, non. Il faut faire ça. Ça engage la République. Non, non, mon frère. Ça engage la République. Parce que je parle au nom de la République. Je ne parle pas au nom de Radio Méga. Attends. C'est pas opinion ni propriété, ni mon cap géré, ni personnel Radio Méga. Attends, écoute. Je ne parle pas au nom de la Radio Méga, je parle au nom de la République. Ok, voilà, attends. Il y a des idées, il y a des opinions qu'on peut mettre. C'est pour ça, assez de fois, moi-même, je ne suis pas engagé personnellement. Je dis, je ne suis pas engagé. Ni Radio Méga, ou bien ni NFM, ni Radio qui a pris l'émission. C'est un engagement citoyen, pas mon temps. Parce que ici, il y a des gens qui ont envoyé le mandat, qui ont envoyé le papier timbré. Moi-même, je dis que. Je ne suis pas engagé. Je suis pas engagé parce que je n'ai pas besoin d'engager l'institution. Je ne suis pas engagé. Ma parole engage. Ma parole engage et Radio Méga, et Radio UniFM, et Joseph Pérez, et Robinson. Et Robinson, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire de façon discrète, de façon très discrète. Parce que je l'ai toujours dit, faut que le gouvernement gagne là. Et m'a dit m'a très fort là, faut que gouvernement gagne là. Faut que CPA connaît que supposé de façon discrète, moi dis ça de façon discrète, je répète ça. De façon discrète composé avec les gangs armés pour pacifier ce pays. Ça veut dire que puisqu'on pas rentré dans le combat avec ces gangs armés, parce que yo disposé d'un arsenal de guerre qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus supérieur à la police nationale là, que yo rentré, que yo composé avec ces gangs armés. Mais de façon discrète. Il n'y a pas besoin de parler dans la presse, dire qu'on s'est bon, écoutez, nous faisons la paix avec Barbecue, nous faisons la paix avec Vite l'Homme. Non. Rélez Vite l'Homme. Rélez Barbecue. Rélez mon gap de Sosia. Rélez Iso. Rélez mon gap de Sosia. Très grave, oui. Mais ça me dit extrêmement grave parce que j'ai besoin de vivre dans ce pays. Parce que je suis pas Biden, frère. Moi, je dis ça. Ça veut dire que tellement. Garder pas grand rien, pas grand force tenir dans le café, pas grand force pour le faire. Attends, mon frère, et faire des café. Si ou la guerre en tel propos, est-ce que vous avez la parole en tant que Robinson d'Haïti ou pas gagner un minimum de confiance ou un minimum de crédit que vous faites institution de la police, ça ou bien on fait la meilleure? Oui, pas gagner institution de la police, pas gagner institution de la et bah qui est le soir, il est la meilleure. Je parle d'un gouvernement, d'un CPK là, et CPA, et Premier ministre, le docteur Guy Pouni, pas qu'à faire rien là. C'est la vision où est que l'appel dialogue barbecue lancé ou même au Pouni? Regardez, moi pour dialogue, je ne parle pas de ça barbecue lancé, je pour dialogue à tous les niveaux, Moi je dis ça que, en aucun cas, je dis, sous décret ton état d'urgence sécuritaire, elle démonte les gangs. Bon, pas qu'elle démonte les gangs. Mais là, il faut composer avec les gangs. De façon discrète. On pas besoin de prendre un micro, on pas besoin de faire une conférence de presse, une note de presse, ou bien prendre une presse. Ou dire comme ça, mon cher, on est contre avec barbecue, moi contre. Non, c'est ça, c'est ça. Négociation, bataille, on va parler là. Négociation, bataille.
Et finalement, vous pensez que. Vous pensez que. Non, non, pas tout. C'est vrai, gars. Dangereux. De quoi s'agit-il? Sac dangereux, frère. Quand même, Jovenel Santos. Ah, mais. Nabucate la parole. Nabucate la parole. C'est ça la démocratie. Vous moi, pensez que. Mon père. Et vous dites à mes gars, ok, après, vous gâtez la parole. Et une tonne pour avoir le téléphone pour nous garder et tendance pour nous sur ça. Est-ce que vous pour ça ou bien vous pas pour ça? Mon autre est pour ça parce que mon besoin d'alphane. Mais non, pas mettez pas dans la bouche. Mon besoin d'alphane, mon besoin petit à l'école, frère. Je dis, il y a des gens qui. Il y a des crimes qui fait. Toi, pour un crime qui fait, par exemple, il y a un crime qui fait tabac. Quand tu mettais du vaisseau en maman avec trois petites dents. Est-ce que vous pensez que il y a des gens qui ont capable de comme ça? Oh, je ne parle pas, non, je ne parle pas au niveau de la population. Mais tout comme ça, tant pas parle de négociation. Non, mais je parle de l'État. Attendez, PS. Je parle de l'État. L'État. Je ne dis pas que c'est extrêmement grave qui a passé là. Mon victime, il a violé les gens, il a tué les gens, frère. Il faut que l'État comprenne. Que face aux gangs armés, il n'y a pas rien. Il faut composer avec les gangs armés. Non, mais il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent, Robinson. Ou dites parce que la police, l'armée, n'a pas qu'à faire face avec monsieur. Parce que monsieur Piamé. Monsieur Piamé. Bien sûr, tu le sais. Ok, monsieur Piamé, que la police, que l'armée. Mais maintenant. Mais que l'État. Maintenant, pour qui ça? Il y a une force multinationale qui a de 60 millions de 600 millions de dollars qui est caissé pour le pays. Alors, Kenya, pas besoin de pays. Oh là là. Écoutez, si vous voulez finir avec ça, il faut que l'État comporte en tant que l'État. Il faut appeler les chefs du désordre et composer avec eux pour pacifier le pays. Point barre. Pas grand yon café là. Pas grand yon café là. Waouh. Pas grand yon café là même. Franchement, je ne suis pas pour les gangs. Non. On va prendre 10 auditeurs. Pas grand faire 10 auditeurs. Non, pas grand faire 10 auditeurs. Attends. Parce que auditeurs, bon tout. Auditeurs, Robinson. Tant des frères. Yo victime. Robinson. On va prendre 10 auditeurs de sortir. Mais moi, où ton bagage? Faut nous mettre un bouillon. Mon père. Yo victime. Yo victime. Son combat grandi là. Tant des frères. Il a dit, mais est-ce que monsieur ça? Ça l'a dit, ça. Non, mais l'État. Et l'État salé. L'État salé. Il y a des gens qui ont couché sur le camion qui n'a pris vu. Monsieur, il y a des gens. Il y a des gens qui sont d'accord avant. Mais il y a des gens qui sont d'accord avant. Au besoin, elle va non pas de banane. Là. Sous le frère. Au besoin, elle va non pas de banane. En toute sécurité. C'est l'État Kabaoul. Et pour l'État Kabaoul, pour venir à 11h minuit, il faut l'État dit, bandit, que le bagarre combat. Il est clair que l'État n'a pas qu'à combattre Mandiola. Alors, vous voulez parler que... La seule façon que l'État n'a pas qu'à combattre Mandiola, c'est de négocier avec eux. Pas grand, il a fait pas un force qui n'a le bullshit. Excuse-moi, l'autre. Non, c'est eux. Mouni va aller. Et ça, vous m'en dit, il est extrêmement difficile pour la jeune. Un bon monde qui est ici, qui a dans sa folie, qui a dans Saint-Anne. Ou imagine beaucoup pour sortir pour toi pour espoir dans sa photo comme il passe de roi jambé et ou pas capable de sous ça comme ça. Il dit que faut préparer ou même j'ai un fait de 500 marches au coteau dans le sud ou pas capable monter marche comme ça. Faut préparer ou aux États-Unis on sait qu'il y a de la salette ni même ni Alteboro. Toujours ma chaussette. Gien moun qui sorti en Europe, gien moun qui sorti en Asie, gien moun qui sorti en Afrique, en Amérique, l'Océanie, dans 5 continents pour y aller la salle des. Même il fait des chaque 19 septembre. Assurez-moi de partager un bagage avec nous pour montrer nous la force. Du sens éternel et qui ça c'est au café. Un jour je me arrivé aux États-Unis et puis aux amis qui parlaient de on sait que de la salette qui est à Altebourg
Et quel que soit le monde qui a donné la radio, quel que soit le côté, m'invitez-vous. Allez ou pas capable de jouer un résultat. Moi, je vais aux États-Unis, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas personne, et puis on se dit, Ibrahim de Seigneur. Là, je viens dans la cour, affaire de 50 à 100 000 personnes, c'est blague. Parce que la machine sortit de tous côtés pour venir dans sa lettre. Le brivé dans la cour, il va faire possession. Et puis, il y a quatre personnes pour porter la salette. Pour porter le viager pour des statues hein, qui symbolisent la salette. Mais juste dans la foule, le père a fait un signe. Si, si, bah, je dis, près de 100 000 personnes à côté. Je me suis regardé. Et puis, mon gars était avec moi, il me dit, quel est ce que je regarde? On a dit, oui, c'est regardé. Eh bien, je m'avance. Il y a trois blancs qui étaient là, même comme haïtien, je me portais, Seigneur. Nous fait toute possession. Et puis après, je m'a déposé, Seigneur, dans l'église. Mon gars était avec moi, il dit, je t'appellerai sous sauver. Je me dis, pour qui ça me sauve? Il dit, il y a des miracles qui vont faire dans la vie pour baptiser ça. Imaginons, moi entrer aux États-Unis, je vais gagner 5 mois. 2 semaines après, je suis sorti dans le BCN, Parkinson. Tout à fait, je vais gagner. Ça pour faire, je m'en vais à mes idées. Ça veut dire qu'il y a une force qui gagne dans l'esprit, dans le Seigneur. Mais courage, puis le monde, prier, quelque chose, pas mal de sous baptiste, ou bien sous pentecôtiste pour quitter religion, pour quitter foi, pour faire notre bagaille. Mais nous-mêmes, dans l'église catholique, nous sommes capables de prier et me sûr que nous avons besoin des résultats vraiment importants. Ça, c'est un premier bagage qui arrive même que moi. On l'a fait encore, on tournait dans le pied pendant les États-Unis. Je parle en bas, je rase. On tournait dans le pied sain. Les mouvements de ouais, t'es gagné, qu'est-ce qui fatra, qui était sous cette chose-là, sous l'escalier. On prend pas aller, moi. Balé, bien balé, et puis l'aime fini, je prends deux mousés, et puis je vais à la caille. Moi, je sens rien passé, mon ami, de mouver la caille, qui vient faire me garder 1000 dollars. Pas de goût, non, mais je vais faire me garder 1000 dollars. Dans 1000 dollars, comme fête séance 19, chaque année le fêté, je joue 100 dollars 19. Ou pas de Mbawol, Parkinson, 19 premiers lots. À 100 dollars. Je fais 7500 dollars. Chaque monde croyance quelque part. Alors là, c'est pour vous dire que vous m'entrez avec nous, parce que vous faites séance que ça avec nous, parce que je veux dire, c'est fête Notre-Dame et m'en quelques histoires sacrifiées, sacrifiées, vécues de Saint-Yo. À ce moment-là, on devait regarder avec nous qui sont courants en Haïti. Qui sont courants, il y a un peu de monde qui prend compte de la CAIO, EDH. Il y a un peu de monde qui a une entreprise qui prend une ligne prioritaire, qui paye pour ça. Il y a un monde tout qui n'a pas jamais payé courant. C'est prise que vous gagnez la caillou. Qui ont déficit pour EDH. En même temps, nous n'avons pas de courant dans le pays. Hein? Tout effort que Jovenel Moïse a essayé de faire, malgré que vous avez dans une politique, vous avez courant 24 sur 24, c'était un gros discours que le président Jovenel a gagné.
y a des gens qui disent je suis fou, mais par contre, il y a un peu de province que tu as alimenté, qui sont pour 24-24, avec un peu de panneaux solaires et un peu d'efforts que tu as fait, on a des jeunes courants. Il y a des côtés de besoin. Mais des pompes pour arroser terre, et tu as commencé à faire un petit projet ça. Le ou pas payer courant ou bail compagnie en déficit enragé, mais en même temps l'on pas joué courant pas bail courant tout monde qui pas payer des achats, il dit ah si me payer il ne va pas ça me parler pas bien courant gien côté dans pays non aider achats existé. C'est pour la forme. Si nous regardons au Cap, par exemple, Gonaïve, Jacques Mel, Jérémy, Port-de-Paix, Wanamet, Port-au-Prince, Affaires courantes, ça n'a pas existé. C'est l'année dernière, ils ont commencé à fontiller fort dans quelques quartiers. Yo baili on 8 heures de temps. Gine côté au bail jusqu'à 12 heures de temps. C'est dans 3 derniers mois ça yo. Donc ici il faut qu'il fait avec question courant. Mais l'homme en ville dans gros cap ou dans gros caï dans gros Radio Omega fait courant pas exister. Et tandis que faut l'État décaisser quoi pour bien employer chaque mois. Faut l'État payer CAI côté EDH chaque mois. Parce que EDH pas grand pile CAI, c'est lui au loin, en pile côté. Maintenant, l'État continue à faire déficit. Radio Mega. EDH pas avoué Bodo la CAI. Parce que EDH pas avec moi. Je m'étais directeur sous-directeur, moun qui fait doctorat dans question courant et qui étudie en pile. Vous cantez la parole. Et comme ingénieur, exacté ministre en travaux publics, qui était très critique envers Jovenel Moïse en question courant. Plop, je viens ministre. Qui ça le bail? On cartouche pas tiré dans question courant. Je ne veux pas que je ne comprenne. Mon gros central EDH, t'as fait cafou. Président Jovenel Moïse, t'es prêt en série de mon gros compagnie, General Electric, pour venir monter et je ne sais pas. On croit aussi Jovenel en mercredi, le vendredi, central ça est supposé inaugurer dans cafou. Et sans compter, un paquet génératrice Jovenel Moïse t'a acheté, tu commences à distribuer en pile côté dans le pays. Chaque côté t'a gagné 3, t'a gagné 4, avec un pile poteau lumière, un pile câble, un pile synergie qui t'a gagné dans la question courant, parce que je dis quoi dans ça, parce que je dis du courant, c'est développement. Pas oublier samedi, centrale électrique Carrefour. Je venais mourir mercredi, et si pas mourir le vendredi, il tape inauguré. Dans les coïncidences, là je venais mourir, quelques temps après, le gouvernement monté, il y a des gens qui viennent ministre travaux publics, transport et communication. C'est la première fois que moi, haïtien, a démenti blanc. Il m'a dit ça, me dit encore. C'est la première fois que les Haïtiens ont démenti une compagnie d'un coup général électrique qui fait une usine qui produit. Une usine pour un Haïtien de mon sac, usine ça a difficile pour l'État. Et qui ça a fait? Je dis que vous avez central à vendredi. Jusqu'à présent, pas personne qui connaît qui ça, central ça a devenu pour l'EDH.
Et yon n'a pas gagné au fond, quoi, dans la question d'Elko, qui était éparpillé dans l'équipe centrale, EDH, gagné. Yon te mette d'Elko, ou après, pour d'Elko, campé, mais en dedans d'Elko, pas gagné d'Elko, pas gagné moteur. Et c'est même gens tout fait pour un pile tracteur qui était dans la caravane. Un pile bac au l'odeur. Ou est au campé? Yo sanana, yo sanda. Je dis là, n'est arrivé dans la dimension ça. Tout déficit que l'État a fait dans la question courant, ou vient poser cette question, est-ce que y a des gens vraiment qui ont volonté pour gagner courant dans le pays? Qui s'en pile moun rale? Radio Liga. C'est un pays, en pile moun fait ça yo vle, Jean yo vle. Vous cantez la parole? T'as pas mon prise de décision que le prend en termes que de responsabilité, vous dites que même si l'État m'a produit courant, m'a vendu courant, bah des contribuables, ou du moins, mon gué service courant, là, quand même, il faut chaque monde payer contre eux. Et je venais me résister, même si l'État va mettre des comptes prépayés. Même j'avais 4 téléphones, même j'ai une minute, ou acheter une minute, ou une minute pour parler, ou pas acheter une minute, ou pas parler. Ah, je suis allé dans la population, hein, dans le quartier défavorisé, qui a commencé à venir. Mais il y a des pendant que nous-mêmes, nous n'avons pas courant. Soit Delma, nous n'avons pas de Vitionville, nous n'avons pas de Carrefour, nous n'avons pas de zones. Mais le village a gagné courant chaque soir. 24 sur 24. On parle du village de Dieu. Village de Dieu. So maintenant, je ne sais pas qui est-ce qui va gagner courant, mais je gagne courant. Est-ce que c'est un groupe électrogène, monsieur, et acheter et puis au bail de courant? Je ne sais pas qu'on est. Mais, de ce fait, le village a toujours clairé. Je dis, il y a un effort ça qui a fait. Qui t'a fait pour des bails courants, c'est ton effort qui t'a fait, c'est ton effort collectif. Ça veut dire que je ne vais pas faire un effort pour un groupe de monde, il t'a fait un effort pour toute majorité. Je ne vais pas me saisir, ouais. Le ministre Osbo Bradel monté comme ministre d'Avo Public. Le opposé ministre en question sur central, Kafoua, M. dit que sur tableau central, qui tape difficile pour l'État, il n'y a même pas continué à bouger. Et aujourd'hui, de ce fait, pas de monde qui connaît ce central a marché ou bien ce qu'il n'a pas marché, de ce fait, pas de quoi. Je ne sais pas si je dis une question courante. Il y a des gens qui ont fait mes côtes trois vers la rue qui disent que grand nèg pas quitter le courant parce que pour ne pas vendre panneau solaire. Et de ce fait, votre panneau solaire est tellement vendu dans le pays, même malgré le dernier état, vous avez un panneau solaire. C'est même gens avec question pour machine basse sur route. Mariani, bien vous passez Grissier. Gémon Gizi, machine m'a pas passé là parce que vous bateau, capote machine, vous allez déposer Miragouane. Est-ce qu'on a tout ça qui gagne le problème là? Mais, question courante, je m'explique nous. Hein? Au cap, mais ça ne va pas me dire. Question zéro. Zéro barré. Zéro barré. Question courante, au cap, c'est zéro barré. Et même Caracol. Au cap, pas rien pour un. Depuis des années, mon cher. Depuis des années, lorsque je joue là, Marie.